Et de la Ligue nationale de hockey, parce qu'on a encore eu droit à un spectacle époustouflant hier avec notre bon ami Anthony. Anthony, salut. Salut. Match entre les Rangers et les Hurricanes, et on s'attendait à une série serrée. Les matchs sont serrés, mais la série ne l'est pas tellement. Très bien résumé. 104 lancés lors des deux derniers matchs pour les Hurricanes, 64 pour les Rangers. Mais qui mène la série 3-0? C'est New York. Encore une fois, hier, les Rangers qui peuvent assurément dire merci à leur gardien Igor Shesterkin, qui a réalisé plusieurs bons arrêts. Également à retenir la performance d'Alexis Lafrenière, un but, une passe, et soudainement le Québécois qui est au troisième rang des pointeurs de son équipe avec 9 points en 7 matchs. Alors, un autre exemple selon lequel, Michel, il faut être patient avec les choix de première ronde. Bon, les Stars, ils ont eu le choix encore une fois, là. Ben, encore une fois, ils ont quand même perdu le premier match. Hier, on failli se faire jouer le même tour. Menait 3-0. En fait, menait 4-0. On a vu l'Avalanche revenir par 3 buts en troisième période. Et finalement, on a réussi à concrétiser notre victoire dans un filet désert. Mais la leçon dans tout ça, Michel, ne comptons jamais l'Avalanche du Colorado pour battu. Voyons donc, ne serait-ce qu'en jetant un petit coup d'œil à leur alignement. On se rappelle que cette équipe-là a une force de frappe phénoménale. Alors, série qui est égale 1-1. Et les deux autres séries reprennent ce soir. Boston contre la Floride, on le rappelle, série qui est égale 1-1, série où il y a eu beaucoup de violence, d'animosité lors du match numéro 2, on verra ce soir, et série toute canadienne, on le voit à l'écran justement, entre Oilers et Canucks, et clairement, je pense qu'on peut s'attendre à une performance assurément impressionnante de Connor McDavid. On se rappelle que les Canucks de Vancouver, eux aussi, y étaient allés d'une remontée spectaculaire lors du dernier match, alors Vancouver qui est en avance 1-0 dans cette série. Hey, merci beaucoup, bon week-end toi là. N'importe quand, bon week-end à tout le monde, salut.